Mais le coup, les enfants? Pas vraiment, j'ai une de ces fins. Tiens. Oh, une barre de céréales. Merci. Dean, tu restes avec moi. Dès qu'on sera sur place, on fera un raid sur le frigo. Ah, c'est un rigolo, ton frère. Ça y est, on y est. Tenez-vous prêts, verrouillés, chargés. Agent Brian, entrez, je vous prie. Madame Hale est en rendez-vous. Elle aura bientôt terminé. Nous allons l'attendre. Reconnaissez que ce n'est pas très joli à voir. En effet, vous avez raison. Mais cette arme est à peine plus puissante que ma Winchester, laquelle peut tirer 7 coups. Je peux. Je serais étonné qu'une Winchester arrive à tuer un enseignant et 4 élèves en 30 secondes, député. C'est Edgar Davis qui a descendu ces personnes à Omaha, pas son arme. Oui, mais sans elle, ce carnage n'aurait pas eu lieu. Je vous concède une chose. Elle a un sacré recul. Le point crucial à considérer, député, c'est que ce fusil XM-19 est fabriqué dans un seul et unique but, porter atteinte à la vie humaine. Vos électeurs l'accepteront, Sam. Pas au Texas, mais ils détestent qu'on contrôle leurs armes. Ça n'a rien d'une arme anodine, c'est un fusil XM-19. Quelqu'un en inonde le marché plus rapidement que mes agents n'arrivent à le récupérer. N'attendez pas qu'une autre tragédie ait lieu et me donne raison. Je vais tâcher de voir ce que je peux faire. Mon après-midi est fichu, je vais faire un saut à l'audience. Sam, je vous en prie, je croyais qu'on était d'accord. Quelle heure est-il? Je suis en retard. Encore une charge que votre estimé collègue, le sénateur Denton, va retenir contre moi. Maggie, c'est politique. Non, c'est personnel. J'ai envoyé des agents se faire tuer à Waco. Si je ne me trompe pas, l'agent Matthew O'Brien a reçu 4 balles de 9 mm dans la jambe, à l'épaule gauche et au bras droit. Oui. Ceci s'est bien passé au cours des 5 premières minutes du raid. Mais pendant que j'y pense, je voudrais préciser que Matthew et vous étiez frères et sœurs. Il était votre aîné d'un an. Revenons au moment où Matthew s'est écroulé. Que s'est-il passé ensuite? Nous étions ici. Je l'ai soulevé par les bras pour essayer de le dégager et l'emmener hors de cette zone. Mais ils ont intensifié les tirs. Vous parlez des membres de la secte davidienne? Oui. Tirez-vous de là! Tirez-vous à l'abri, les gars! Ouais, l'abri! On se replie, allez! Repliez-vous, les gars! J'ai réussi à le tirer sur une 30aine de mètres. Ils m'ont eu. Une très petite distance. Et pendant qu'il nous mitraillait, Matt était à terre. Il perdait son sang et mon MP5 m'a échappé. Et... C'est de votre pistolet mitrailleur dont vous nous parlez. Et j'ai essayé de leur demander d'arrêter. Oh. Arrêtez, je veux pas tuer un blessé.
Mais ils n'ont pas arrêté. C'est une balle de 50 tirée de la ferme qui a finalement touché mon... qui a tué mon frère en lui sectionnant une artère. Je savais qu'il était en train de... Enfin, j'ai tout fait pour le dégager, mais je n'ai pas... Je n'ai rien pu faire, il était trop tard. Donc les membres de la secte ont continué à tirer bien que vous ne ripostiez pas. Et que votre mission consistait à évacuer un blessé. Ouais. Agent O'Brien, étiez-vous informé du fait que cette opération pouvait comporter certains risques? Il savait que nous viendrions. Il nous attendait. Et ces gens étaient en possession d'un arsenal 10 fois supérieur au nôtre. Ils avaient des AR-15, des M16 et plus de 200 lance-grenades M31. C'est évident qu'ils nous attendaient. Mais on a reçu l'ordre d'y aller. Et je voudrais qu'on me dise pourquoi. Merci, agent O'Brien. Votre témoignage clôt cette séance. Nous reprendrons demain. Personne n'est entré. On ne peut rien faire de l'extérieur. Où sont les démineurs? Ils sont coincés sur une route, à une demi-heure d'ici. Qu'est-ce que c'est? Une bombe artisanale? J'y vais. Non, ça va, arrive. C'est moi qui vais y aller. Pas question, c'est mon tour, c'est tout. D'accord. Face. Vous avez une tenue? Il faut une tenue de protection. Madame, je dois vous poser quelques questions. Tout d'abord, dites-moi si votre petit ami a déjà fabriqué des bombes et s'il est en possession d'explosifs. Ton pull plus cet équipement, tu vas crever de chaud là-dedans. Robin, tu peux encore refuser de le faire. Ça va aller. Ça va aller, Rive. Devant la porte. J'entre. Je suis dans le salon. Je vais entrer dans la cuisine. Comment il s'appelle? Dean, comment s'appelle le môme? Joey. Joey. Il s'appelle Joey. Bonjour, Joey. Oh. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Oh. C'est loin d'être gagné, Rive.
Je ressemble à un martien, c'est pour ça que tu as peur. Je sais ce que je vais faire. Je vais enlever cette vilaine tenue de protection. Robin, mais qu'est-ce que tu fais? Robin, tu me reçois? Robin, est-ce que tu me reçois? Pas. Je ne voudrais pas marcher sur vos plates-bandes, mais où en êtes-vous? Nous analysons les rayons X et le service de déminage va arriver. Bon, je détesterais que cette histoire fasse la une des journaux. Vous avez une piste? Le petit copain, Billy Jones, on a lancé un avis de recherche. Robin, sous la chaise, qu'est-ce que tu vois? C'est assez rudimentaire. À première vue, c'est un détonateur à pression qu'il y a là-dessous. Oui, vu d'ici, c'est ce qu'on a pensé. Un détonateur à pression. Si le bébé continue de bouger, il déclenchera l'explosion. Alors sors de là, Robin. Le gamin ne restera jamais immobile. Elle n'a pas de tenue de protection et vous l'avez laissé entrer? C'est elle qui l'a enlevé une fois sur les lieux. Robin. Je peux pas le laisser sur cette chaise. Ne fais pas ça, c'est trop risqué. Le mieux, c'est que tu attendes que le démineur arrive. Non, je ne peux pas. Si j'attends, le bébé mourra. Ben, la sécurité et la vie des agents sont sous ma responsabilité. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Il faut que je l'enlève de cette chaise. Dites-lui de remettre sa combinaison de protection. C'est un ordre. Je vais maintenir la main sur la plaque jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui pèse le même poids. Robin. Ça y est, j'ai trouvé. Robin. Entre 10 et 20 kilos. Non, Robin, le directeur Hell est ici. Elle exige que tu remettes ta combinaison. Ah, c'est une blague. Non, c'est un ordre. Non, 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 non. Ne pleure pas, Joey. Ne pleure pas. Allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne... Elle ne l'a pas entendu. Sur la plus haute branche, rossignol. Vous connaissez son groupe sanguin? O positif, le véhicule d'intervention est en stand-by à Fairfax. Qui a le cœur gai. Il y a bien longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime. Ça y est, j'ai la main sur le détonateur. Je touche le détonateur. Je tiens le bébé. J'ai un doute. J'en sais rien. Je vais lâcher. Je vais lâcher. Le bébé. Allez.
vrai dire, ça fait du bien de relâcher la pression. Je te raccompagne chez toi. Ça, c'est une excellente idée, Riff, sauf que t'es encore plus imbibé que moi. Allez, viens. Mais viens. Alors, c'est toi qui vas me reconduire à la maison, chez moi. Robin, je voudrais que tu viennes chez moi. T'as pas compris encore? Hein? C'est-à-dire que... Non. C'est... D'accord. Quand j'écrirai ma biographie, je dirai que t'es la seule femme sur Terre qui ne m'a jamais aimé. C'est pas grave. Éclairez ma lanterne. En tant que directeur du FBI, vous étiez au courant de l'opération Cheval de Troie, le nom de code du raid de l'ATF sur Waco. À peine. Je sais que l'ATF délivre des mandats contre la possession illégale d'armes et d'explosifs, le FBI aussi. Mais vous n'étiez pas impliqué dans l'opération de Waco. Malheureusement non, sénateur Danton. Le FBI a été dépêché sur les lieux dans l'après-midi du 28 février, après que l'opération eut échoué. Donc vous pensez qu'il y a eu une erreur de jugement? Non, non, je ne jette la pierre à personne. Seulement le FBI a des informateurs pour faire face à ce genre de situation. Ce qui a pour effet d'éliminer certaines erreurs d'appréciation. Richard, je vous en prie. Vous voulez intervenir, madame? Je voudrais que l'on tire les choses au clair pour changer au lieu de se cantonner à toutes ces accusations. Personne n'accuse qui que ce soit de quoi que ce soit, directeur. Tout ce que nous voulons, c'est comprendre ce qui s'est passé là-bas. Ce qui s'est passé là-bas? Sachez que jamais dans l'histoire des représentants de la loi américaine, des officiers en mission n'ont été mitraillés comme ceux de l'ATF à Waco. L'idée que des civils aient pu, avec succès, tirer plus de 12 000 coups de feu sur des agents du gouvernement prouve que personne, malgré tous les informateurs de la Terre, n'était préparé à faire face à ce genre d'assaut. Oh, la sauvagerie de ces Davidiens n'était pas inconnue. Et ensuite, il y a eu ce terrible incendie dans lequel ont péri 81 civils. L'ATF n'était plus en mission lorsque la ferme a brûlé. Elle n'était plus sur cette affaire depuis 2 mois, depuis que le FBI avait pris en main les opérations. Mais... je vous en prie, continuez, directeur Lang, je ne voudrais pas parler à votre place. Dites au sénateur Murphy qu'on a besoin du soutien de ses électeurs. Madame Hale? Je vous rappellerai plus tard. Vous vouliez me voir? Jusqu'ici, que pensez-vous des auditions, agent O'Brien? Je ne suis pas d'accord avec le directeur Lang. Je n'aime pas ce qu'il dit et ce qu'il fait. Bien. Donc, nous avons votre soutien. C'est de ça dont vous vouliez me parler? Je vous ai donné un ordre hier que vous n'avez pas suivi, que ça ne se reproduise plus jamais, c'est clair? Oui. Vous êtes tenu d'obéir en dépit de ce que vous pensez de moi et de ce qui est arrivé à votre frère. La mort de mon frère n'a rien à voir là-dedans. Vraiment? La prochaine fois, gardez votre tenue. Police, police, on bouge plus! À terre! Marceau, à terre! À terre, j'ai dit! Il est armé! Pas un geste! T'as pas compris, je te dis à terre! T'as dit à terre! Prenez son pantalon! C'est trop tard, je me suis vengé, j'ai fait à cette pute exactement ce que je voulais! Ta gueule! Ta bombe n'a pas explosé, le bébé n'a rien! William Jones, vous avez le droit de garder le silence. Je vais coller une fausse bleue. C'est bien que son gars allait mourir. Vous avez le droit de faire appel à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, il vous en sera commis un d'office. Allez, avance. Thank you.
XM-19 ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que les Patriotes fabriquaient il y a quelques années avant que nous ne fermions leur usine. Donc vous pensez qu'ils ont remis ça? C'est possible. Ces armes sont intactes. Manifestement, elles sont neuves. De plus, il y a la même marque de fabrique sur les culasses. C'est évident, ça ne peut être que ces types. Le directeur Hale se bat depuis 6 mois pour interdire ces armes. Elle va faire de ce dossier sa priorité. Sauf si c'est moi qui m'en occupe. Directeur, félicitations, nous venons d'apprendre la nouvelle. Oui, l'utilisation de cette arme vous mène droit en prison. C'est une grande victoire pour chacun de nous. Alors, vous savez d'où elles viennent? On en a une petite idée. Les agents Aguilar et O'Brien aimeraient réouvrir le dossier Patriote. Avec votre accord, ils commenceraient demain. C'est parfait. Seulement, cette fois, je veux qu'on suive les règles, pas d'héroïsme inconsidéré ou de premier rôle féminin. Je veux que l'on respecte le règlement à la lettre. Est-ce que c'est clair? Ça ne peut pas l'être plus, madame. Bien, vous avez fait du bon travail. Merci à tous. Pas mal cet endroit pour se détendre. En venant ici, tu crois qu'on perd notre temps? Pas du tout. On danse. Et puis, nous sommes dans le lieu que fréquentent les Patriotes. Quelles sont nos chances de tomber sur le bon groupe de gars? Buvons à nos nouveaux amis. À mes nouveaux amis. Finalement, il n'y a pas que des boudins qui viennent ici. Évidemment, se trimballe un blaireau. C'est une loi de l'univers. Nana canon, un blaireau de première. Vous m'en reservez un? Tout de suite. Vous vous souvenez de mon pote dont je vous ai parlé tout à l'heure? Ouais. Eh bien, c'est lui qui m'a indiqué cet endroit. Il m'a dit que... qu'ici, on pouvait faire son marché. Pour pas trop cher. Vous voyez, super puissant, longue portée, non répertorié. Mon copain m'a dit que vous étiez au courant. Les affaires reprennent, Jack. Je crois qu'on a une prise. Bon, très bien. Quoi d'autre? Eh bien, à vrai dire, je préférerais traiter directement avec les intéressés. Beechwood Lane à l'embarcadère. Ce soir, Dodge Pickup 77 rouge. Si ça intéresse vos amis. Et elle, c'est qui? C'est votre copine? Ouais, c'est une amie. Qu'elle vienne à votre place si vous voulez conclure. Ils ont l'air de penser qu'elle est plus intéressante que vous. Je vous préviens, Maggie. Washington est un cloaque truffé de tueurs, de fanatiques et d'imbéciles. Vous ne pourrez pas leur échapper. En vérité, lorsque j'avais 20 ans, je n'avais qu'une idée. Marcher dans vos pas. Je voulais suivre la même route que vous. Bonsoir. Vous allez pouvoir prendre ma place. J'ai marché pendant 37 ans sur cette route et c'est au moment où je quitte mon poste de secrétaire au trésor qu'ils se mettent en quatre pour moi. Ils sont contents que je m'en aille. Robert, j'aimerais beaucoup que vous restiez. Maggie, c'est tout ce remue-ménage à propos de Waco qui vous cause des ennuis? Rassurez-vous, cet enragé ne mordra plus. J'aimerais vous croire. Ça va, ce soir? Ça va. Eh bien, messieurs, à plus tard. Venez vous voir. Merci, c'est gentil. Vous dansez? Avec plaisir. Bien. Venez. Champagne, tenez. Vous savez, j'ai toujours aimé Cole Porter. C'est Gershwin. Je le savais. Allons, Maggie. Pourquoi êtes-vous si féroce, dites-moi? Nous ne sommes plus à l'audience. Durant l'audition, vous vous êtes évertué à démolir l'intégrité de l'ATF par des moyens douteux et vous faites comme s'il ne s'était rien passé. Pourquoi? Parce que nous dansons? C'est une enquête, pas une attaque. Vous jouez sur les mots, si je puis me permettre. Eh bien... vous connaissez sans doute l'expression
Qui dit à la guerre, comme à la guerre. Donc, les hostilités vont commencer. Bonsoir. Alors, en 8 lettres, un mot synonyme de rage. On s'en fiche. C'est peut-être... Frénésie. Je mangerais bien un truc, pas toi. C'est pas vrai, Dink. Tu sais ce qui cloche chez toi, c'est pas un estomac que t'as, c'est un broyeur. Ils arrivent. Je sens que je vais pas aimer ce type. Vous êtes venu? Ava Ellison. Jake Neely. Vous avez une sacrée chevelure. Moi, je suis sincère. C'est naturel. Oui, c'est naturel. Pourquoi vous restez planté là? Vous n'avez rien à me montrer? Si. J'ai les armes et je diversifie mes activités. Canne à pêche. J'ai des beepers. Ça vous intéresse? Non. Je veux des armes et rien d'autre. D'accord. Il est venu seul, Reeve. Tu avais raison. Bien évidemment, tu lui as tapé dans l'œil. C'est ça, les femmes. Elles ne voient rien. Et voilà. Vous les connaissez? Ah oui, je les connais. Alors, j'ai pas besoin de vous faire une démonstration. Où les avez-vous eus? Bah, chez mes fournisseurs, des relations. Vous voulez que... je vous explique comment ça marche devant un verre? Ouais, c'est une bonne idée. Vous voulez bien? Bien sûr. Oui, lâchez-moi! Excusez-moi. N'essayez plus jamais de me toucher, ouais, c'est compris? Mais seulement ça fait un bail que j'ai pas eu de femme. Oubliez ça. D'accord, d'accord. J'en ai assez vu. Je vous arrête. Je le crois pas. Alors vous allez pas m'envoyer en taule, pourquoi? Pour quelques malheureux fusils? Ah ben vous êtes pas bien! Asseyez-vous. Pas question, je veux pas aller en taule pour être violé par une bande de sodomites. On peut vous éviter la prison. Écoutez, notre département est plutôt contrarié que les patriotes aient remis ça. On veut essayer de les coincer et pour y arriver on a besoin de votre aide, c'est tout. Ouais, vous voulez me faire cracher le morceau, c'est dégueulasse! Vous me soulevez le cœur, vous me faites gerber! Gerber! Vous me rendez malade! Parce que c'est nous qui vous avons tordu les bras pour vendre des armes. On s'excuse! Lâche-moi, flic de merde! On se calme, du calme. Vous savez qui c'est, ces patriotes? C'est pas des enfants de cœur! Si jamais ils apprennent qu'on s'est parlé, je suis un homme mort! Mort! Vous pigez le topo, une balle dans la tête! De toute façon, je suis déjà foutu. Oh, quelle merde! M'envoyez pas en tôle. Parce que là, je préfère encore qu'on me descende. Oh, d'accord. Je connais ces types depuis un an. Peut-être moins, peut-être plus, j'en sais plus rien. Où fabriquent-ils ces fusils? Ils ont un grand entrepôt. Mais c'est pas vrai. C'est pas très loin d'ici. C'est bien. C'est très bien. Bonjour, Maggie. Richard, on ne se quitte plus. Vous aussi, vous venez à cette réunion barbante du département de la justice. Je me demande pourquoi, puisque vous êtes aux finances. Oh, je vous promets que ce sera tout sauf barbant. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous avez raison, on ne va pas s'ennuyer. Bonjour.
Lorsque nous avons démantelé le réseau Patriote en 94, il était dirigé par Patrick McCallan. 53 ans, originaire de Virginie, il avait purgé 4 ans pour vol à main armée en 83 et 2 pour possession d'armes à feu en 89. Nous le suspectons d'avoir violé l'injonction fédérale lui interdisant toute fabrication d'armes et d'avoir fait des Patriotes un groupuscule clandestin. Excusez-moi, madame, mais vous auriez dû savoir qu'il recommencerait. Nous ne pouvions en être sûrs jusqu'à ces événements. C'est comme vous. Rien ne nous dit que vous ne faites pas de la contrebande d'alcool dans votre sous-sol, monsieur Lang. Car franchement, vous avez la tête de l'emploi. Cinq, peut-être 6 caisses de fusils tous les jours. Plus les munitions. La ferme est assez grande pour produire un tel volume? Moi, c'est pas trop difficile, ouais. C'est dur d'y entrer. Vous voulez que je vous donne un coup de main, c'est ça? C'est une idée débile, et vous savez pourquoi? Vous serez repéré avant même d'y arriver. Oui, comme vous, vous nous avez repérés. Oh, mais j'essaie de vous aider, alors écrasez. Je suis là, assis, j'essaie de vous aider. Non, mais je sais. Écoutez, vous devez nous aider à entrer en contact avec les Patriotes, d'accord? Ensuite, vous leur direz quand je serai là-bas que vous me connaissez, vous vous porterez garant. Vous le ferez? Ouais, je le ferai. Vu la nature confidentielle de cette opération, je veux que les médias soient tenus à l'écart à partir d'aujourd'hui. Vous avez notre totale coopération, madame. Et qu'il soit noté que le FBI restera en stand-by pour assister de quelque manière que ce soit madame Hale ou l'ATF. Je suis persuadé que nous allons tous beaucoup mieux dormir. Je suis heureuse que vous ayez soulevé ce point, Richard, parce qu'on dit tellement de choses sur la rivalité qui oppose le FBI à l'ATF, et votre présence parmi nous aujourd'hui confirme ces suspicions. Cela dit, si monsieur Long a cru bon de se joindre à nous, c'est parce qu'il croyait sans doute que cette réunion était destinée à lever des fonds pour la Ligue des chasseurs. Oui. Merci, Maggie. Ça devrait lui rabattre le caquet pour un temps. Et s'il continue? Maggie, même si vous écrasiez Richard sous un autobus demain matin, il y en aurait 10 comme lui pour prendre sa place. Quoi qu'il en soit, merci d'être venu. Un jour ou l'autre, vous devrez passer l'éponge sur tous ces coups bas et défendre l'idée que vous vous faites de la justice. C'est parti. C'est le désert. Je ne vois personne. C'est bizarre. Même si je t'ai promis que je porterai un mouchard, je ne crois pas que ce soit très prudent. Ne sois pas fâchée. Et dans une heure, tu t'amènes, d'accord? Ben. Elle a enlevé son émetteur, elle pense que c'est plus prudent. C'est elle qui mène la barque. Elle a eu tort de faire ça. Combien de temps vous a-t-elle donné? 59 minutes à partir de maintenant. Ne laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Qu'est-ce que vous faites ici? Un des fusils que je lui ai acheté m'est resté dans les mains. Je veux qu'on me rembourse. Venez ici. Amenez-vous. Venez ici. Ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre flingue? Ben, on vient de tirer de la ferme.
Peut-être son arme, j'en sais rien. Quelle merde. On a une équipe de prêtres? Oui, monsieur. Envoyez-la et appelez-moi Madame Hale au téléphone. Vous pénétrez ici avec une arme pendant que des femmes et des enfants sont en train de prier? Vous êtes cinglés ou quoi? Alors, qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? La première équipe est sur les lieux, la seconde est prête à partir. Est-ce que l'agent O'Brien vous a contacté depuis le coup de feu? Non. Qu'on la sorte de là tout de suite. Si jamais ils nous voient arriver, ils la tueront. Hey, on attend. J'ai suivi ce type depuis le bar. J'ai dépensé un paquet de fric pour lui acheter ses armes de merde, alors je veux mon pognon. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, Jack. Quoi? Tu connais madame? J'attends une réponse, Jack. Tu connais cette fille, oui ou non? Non, je ne l'ai jamais vue. Attendons encore un peu. Tu me prends pour un con? C'est un flic. Ça va pas la tête? Ma main au feu. J'ai le nez pour ça. C'est un agent fédéral. Tu veux dire que tu as amené un agent de l'ATF ici? Non, bien sûr que non. Non, non, c'est une véritable allumée, cette nana. Bon, d'un coup, je lui ai peut-être vendu quelques armes, mais... La marchandise était en parfait état. Elle raconte n'importe quoi. Ce que Jack fait de ses moments libres, ça n'est vraiment pas nos affaires. Je ne veux pas voir ses armes dans ma ferme. Vous partez. Je vous montre le chemin. Passez à l'attaque. Bien reçu. La patronne frappe encore. Non, attendez, mais je la vois. Tout va bien. Vous avez retiré l'agent O'Brien que je veux qu'elle rentre par le premier avion. Si vous changez d'avis, que vous acceptiez qu'on fasse affaire ensemble, je pourrais faire de vous un homme riche. Toi, tu me dois un autre flingue. Il devait aller à la pêche aujourd'hui. Une caméra vidéo filme les passants dehors. On analysera la bande ce soir. La brigade d'intervention spéciale est sur le point d'arriver. Réunion prévue dans 3 heures. On se met au travail. Et les appels téléphoniques? 2 de la Ligue protectrice des animaux, 1 d'une association opposée à la limitation de vitesse, mais ça s'arrête là. Si jamais on revendiquait l'attentat, je veux en être immédiatement avisé. Je lui ai dit que vous vouliez la voir. Vous avez une piste? Pas encore. Maintenant, expliquez-moi, qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Enlevez votre micro alors que vous êtes en mission. Je les avais prévenus.
J'ai eu raison de le faire, ils m'ont fouillé. Si j'y retourne, je suis certaine de les croiser. Vous n'auriez jamais dû y aller sans votre émetteur. J'ai vu ça sous un angle différent. En effet, mais nous étions à deux doigts d'envoyer toute une équipe d'agents qui auraient pu y laisser leur vie. Mais vous, vous avez vu ça sous un autre angle, le vôtre. Je commence à croire que vous êtes suicidaire, agent O'Brien. Ou peut-être que vous vous moquez de la vie de vos coéquipiers. Quoi ? Dites-moi quelle explication je dois choisir. Vous qui nous avez envoyés à la mort. Cette situation n'a rien à voir avec Waco. Oh que si ! C'est exactement la même chose. Mon frère y est resté et tous les jours je dois vivre avec ça parce que vous êtes pétri d'orgueil et que vous n'avez aucune sensibilité. Il est mort à cause de votre dureté. Agent O'Brien, écoutez-moi ! J'avais de l'estime pour votre frère, tout comme vous. C'était un excellent agent. Mais si je découvre chez vous le moindre petit soupçon d'inconscience, non seulement je vous retire de cette opération, mais je vous suspends de vos fonctions jusqu'à ce que vous soyez revenu à la raison. Est-ce que c'est compris? Vous pouvez partir. Vous ne l'avez pas viré ? Non, et j'espère ne pas le regretter. Donne-moi les clés. Que s'est-il passé ? Donne-moi les clés ! Robin, raconte-moi. Une fois que j'ai fait ça dans une voiture, j'avais 16 ans. Tout avait toujours bien fonctionné entre nous, pas vrai? Et maintenant? Hein? C'est un beau gâchis. Écoute, Robin, tu n'es pas la seule à souffrir de sa mort. J'aimais beaucoup ton frère. J'y vais. On a un avion à prendre aux Aurores. Et il faut que j'aille chez moi prendre quelques affaires. Ce qui vient de se passer entre nous n'a pas d'importance pour toi. Tu n'es pas croyable. Je vais te dire une bonne chose. Tu sais, mais plus jamais ça. Ne me fais plus jamais ça. On y est. Patrick est là? Il vous manque une case? On vous avait dit de ne pas revenir ici. Et vous croyez qu'un nom suffit à m'arrêter alors qu'il y a un paquet de fric à se faire? Vous êtes sourde. On vous a déjà dit qu'on n'avait rien à vendre, alors pourquoi vous faites pas demi-tour? Ah oui, on m'a assuré du contraire. Ah oui, qui ça? Je sais que Jack a des flingues ici. Eh ben, Jack est un que menteur. Que diriez-vous si nous en parlions à Patrick? Vous avez une arme? Venez, on va faire un tour. Allons-y. Elle est là-bas depuis 5 heures. Tu trouves ça normal de discuter d'armes pendant 5 heures? Pas du tout. Passe-moi le téléphone. C'est pas moi, c'est vous qui avez kidnappé cette bonne femme. Non, mais est-ce que tu réalises... Mais pour l'instant,
On ne connaît pas l'identité de cette fille. Cette nana, c'est pas un agent. Tu n'en sais rien. Si jamais elle est de la police, on fera ce qu'on a à faire. C'est tout. On sera obligé d'éliminer, Jake. Bon, là, il faut que j'y aille. C'est l'anniversaire de ma mère et ben, je dois y aller. Personne ne s'en va avant que ce soit réglé. Ce sont des fragments de la bombe ? Oui, là, sur la gauche. Le poseur de la bombe qui a tué le secrétaire d'État s'est servi de conducteurs multiples rouges, jaunes, bleus et noirs. Ce que vous voyez là sur l'image, c'est un vieux câble téléphonique extrêmement dur à trouver de nos jours. C'est bien une bombe artisanale ? Tout à fait. D'où provient l'autre fragment ? Justement, j'allais y venir. Quand votre équipe a fermé l'usine des Patriotes en 94, elle a démantelé le réseau comme il se doit et elle a ramené ici leur matériel afin que nous puissions l'archiver pour plus de sécurité. Et ceci au cas où nous y serions encore confrontés. Vous êtes sérieuse ? Ben ? Venez jeter un coup d'œil. Ben, ce sont les Patriotes qui ont tué Robert. Ce qui change toute la procédure. On suspend l'opération, on rappelle nos agents et on revoit toute la marche à suivre. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça sera dur de la faire revenir. On a un problème. Asseyez-vous. Vous n'avez pas le droit de me garder prisonnière dans cette chambre! La ferme! Écoutez-moi, je ne veux pas vous faire de mal, mais vous m'avez mis en mauvaise posture. Je vous avais pourtant dit de ne pas revenir. Je voulais acheter des armes. Je pensais avoir été clair. Par les temps qui courent, on ne peut faire confiance à personne. C'est ça qui est dommage. Si vous êtes de la police, ils vont envoyer des renforts en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Donc, vous attendez? Ouais, et on verra. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Amène-toi ! Allez-y doucement, les gars, bon, ça va ! Ah, ça va ! T'es armé ? Bah oui, bien sûr que j'ai une arme sur moi. Vous savez bien que j'en ai une. On y va, avance ! Ouais, ouais. Où est-elle ? À l'intérieur de la ferme. J'ai fait tout ce que vous vouliez que je fasse, les gars. Je l'ai fait entrer, c'est elle qui a décidé de rester, vous savez. Mais peut-être qu'elle aime bien l'endroit, moi, j'en sais rien. Bon, c'est la merde. Ouais, c'est la vraie merde. Ils l'ont enfermée. Et les prisonnières, ils vont pas la laisser sortir. Et c'est pas ma faute. J'ai fait tout ce que vous Est-ce m'aviez demandé. Ils m'ont fait du mal. Tu vas me répondre. Non, ils l'ont pas tué. Ils veulent attendre et s'assurer que c'est pas un flic, voir si la police va pas rappliquer. T'es sûr de ça? Ils attendent de voir si on ne vient pas la chercher. Ah oui, je vous le jure. Si jamais tu mens. Mais pourquoi je mentirais? Mais seulement, moi, je veux pas aller plus loin. Je veux pas. Vous pouvez me mettre en tôle si vous voulez. Je m'en fous de ce que vous ferez de moi. Mais jamais je remettrai les pieds là-bas. On verra ça plus tard. Vous ne le croyez pas? Ce type n'a rien dans le bide. C'est un guignol. Mais malgré tout, je crois qu'il dit la vérité. On vous reprend tout de suite. Excusez-nous. Hors de question de lancer un raid. Ce serait se jeter dans la gueule du loup. Ils nous attendent. On la laisse là-bas. On attend de voir comment ça se passe. On ne peut pas courir ce risque. Plus on attendra, plus ce sera dangereux pour elle. Alors il ne reste plus que l'indique. On l'utilise pour la faire sortir. Vous croyez qu'il est fiable ? Il est aussi fiable qu'un informateur peut l'être, peut-être même moins. Ben, trouvez-moi autre chose. Bien, va pour l'informateur. Alors tout est arrangé ? Ça va ? C'est cool ? Ouais, c'est ouais. Cool. Génial. Alors vous allez remonter dans votre poubelle, faire demi-tour, retourner là-bas et trouver le moyen de la faire sortir. Vous m'avez pas écouté. Je peux pas faire ça, je suis pas celui qu'il vous faut pour ce boulot. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous jure que je m'amène et que je vous règle votre compte. À quoi, on a même plus le droit de fumer ? Non.
ça va, je monte. Ouais, merci. Merci, merci beaucoup, les gars. Je vois que vous avez mangé, tant mieux. Je vous ai pas dit mon nom, je m'appelle Carrie. J'ai pas le droit de vous parler, je prends un risque. Je dirai rien. Non, c'est pas ce que vous croyez. Faut pas en vouloir à Patrick, c'est pas son genre de séquestrer les gens. C'est vraiment quelqu'un de bien. En effet, j'ai pu m'en rendre compte. Non, vous ne comprenez pas, c'est parce que... On n'accepte pas que des étrangers pénètrent ici. Patrick a beaucoup de responsabilités. Ça fait longtemps que vous vivez avec lui? Ouais. Ouais. Ça fait un moment. Vous aimez cet homme, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, pas du tout. Seulement, il m'a sauvé la vie. Et de quelle manière? Vous savez que vous posez trop de questions. Excusez-moi. C'est que j'ai rien d'autre à faire. Patrick m'a sauvé la vie. Je me suis retrouvée à la rue il y a quelques années. J'avais été licenciée. Je ne trouvais pas d'autre boulot. Mon bébé avait 6 mois et je me suis retrouvée dans une situation que beaucoup de personnes traversent de nos jours. Même les gens bien qui sont incapables de trouver le moyen de s'en sortir deviennent de vrais loques. Patrick essaie de changer tout ça. Je comprends pourquoi vous êtes attachée à lui. Vous avez un bébé? Non. Quelqu'un dans votre vie? J'ai eu quelqu'un. Ça a été plutôt difficile à vivre ces dernières années. Vous devez vous sentir très seule. Il croit que vous êtes de la police. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai l'air d'un policier? Non. Je vais essayer de parler à Patrick. Je vais essayer de vous faire sortir d'ici. Maggie? Excusez-moi, Richard, mais je n'ai pas le temps. Je voulais vous dire que j'étais désolé et horrifié de ce qui est arrivé à Robert. Nous le sommes tous. Vous pensez que les patriotes y sont pour quelque chose? C'est possible. Est-il vrai que vous avez un agent qui est retenu en otage? En otage, Richard? Vos espions ont dû faire une overdose de caféine? La question n'est pas là. Si, justement, et ce n'est pas le moment d'ergoter sur des points de juridiction alors que Robert est à peine... Écoutez-moi, Maggie, vous avez raison. Je veux seulement vous offrir mon aide, une aide réelle. Je ferai tout mon possible. Elle n'est pas retenue en otage. Nous avons un informateur sur les lieux. Elle reviendra bientôt. Je voulais simplement vous dire que je suis là et que je peux vous aider. On verra. Merci. Tu viens, Charlie? Qu'est-ce qu'il se passe? Amenez-vous, amenez-vous, allez, bougez-vous, on y va, allez, venez. J'aime autant vous le dire, j'avais décidé de vous laisser ici, mais vos petits copains, ils m'ont dit de vous faire sortir. Ils savent que je suis plus en danger? Ah bon, vous imaginez ça? Et puis de quelle façon je dois m'y prendre, moi, pour vous libérer? Laissez la porte ouverte. Ouverte? Bon. Ouais, d'accord. Bon. Oh, encore une chose. Vous me montrez les armes avant de partir?
Voilà, vous êtes contente? Des flingues, des centaines de flingues. Alors maintenant, il faut que je reste. Non, vous devez partir. Je dois partir. Nous devons partir. Possession d'armes, c'est pas assez. Je veux aussi les coincer pour trafic d'armes. Donc, il va falloir que vous me rameniez vers Patrick, que vous lui disiez que vous m'avez trouvé en train de fouiller dans les parages. Vous aviez promis que si je vous montrais le dépôt, on partirait. Alors, on y va. On retourne à l'intérieur. Non. Ah non. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. J'ai jeté un coup d'œil. Vous disiez que vous ne vendiez pas d'armes, tu parles? Ça ne vous regarde en aucune manière. Alors, pardon, mais ça me regarde. C'est ce que j'essaie de vous dire. Oui, mais nous, on s'en fout de ce que vous essayez de nous dire. Patrick, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait la foutre à la porte. On n'a qu'à l'éjecter d'ici. Pas question, c'est trop tard. De toute façon, je partirai pas. Surtout maintenant que j'ai vu la marchandise. C'est comme ça que je fais mon beurre, que je gagne ma vie. Je suis comme vous. Sur un simple coup de fil, je peux avoir 30 000 dollars immédiatement. Je vais vous dire un truc. Si vous êtes un agent, vous êtes déjà morte, vous pouvez me faire confiance. Toujours rien? Écoute, c'est nous qui devons donner l'alerte. Il n'y a pas 36 solutions. Soit on reste ici à se tourner les pouces, soit on décide de faire ce qu'il faut. On y va ou pas? Oui? Allô, Sully? Tu pensais peut-être que je m'étais évanouie dans la nature? Ouais, on peut dire ça, t'en es où? J'ai un nouveau fournisseur, il a de très bons produits qui pourraient relancer nos activités. Si bien sûr vous êtes toujours intéressé. Et commandant, je dirais même que ça nous passionne. T'es un gentil chien, monte. Allez, monte, on y va. Je voudrais que tu me dises, pourquoi ces gens ont tué Robert, alors que c'est toi qui les a coincés en 94, et que c'est toi l'auteur du décret qui a rendu leurs armes illégales? Je n'en sais rien. Maggie, si cette bombe t'était destinée, il faut alerter ton service. C'est une impression, c'est tout, je ne peux pas le prouver. Ça n'a pas d'importance. Si, c'est important, Sam. Alors que je suis constamment épiée et questionnée et que mes propres collaborateurs évaluent chacun de mes mouvements, je ne vais pas affoler mon service à cause d'une impression. Surtout si elle est mauvaise. Est-elle si mauvaise que ça? Pour l'amour du ciel, Maggie, si tu n'as plus confiance en ton instinct, alors... Alors quoi? Vas-y, termine ta phrase, allez, dis-le. Personne n'est mort à cause de toi. Personne n'est mort à cause de toi. Ils sont en retard, vos copains. Ils vont arriver. Tu peux me dire ce que t'as? Rien. J'ai rien. C'est pas l'impression que tu donnes. Pourquoi tu la regardes sans arrêt?
Chaque fois que je dis un truc, tu la regardes. Vous seriez pas en train de mijoter quelque chose? Je jette un œil à la fenêtre. C'est un coup monté? Est-ce que c'est un coup monté? Vous voulez me piéger? Écoute, espèce de connard, si jamais tu fais foirer l'affaire, je te mets une balle entre les deux yeux. T'es en retard. Et alors? Où est Bobby? Il a un problème à l'estomac. J'avais pas envie qu'il pourrisse la voiture. Je l'ai laissé aux toilettes. Hé, c'est pas ce qui était prévu, hein. Où est l'autre gars? Oh, ça va. Qu'est-ce que vous magouillez? Rien. Oh. C'est un piège. Oh, ça va. Hé, hé, rangez vos armes. Rangez vos armes. Pas avant d'avoir vu le fric. Donne-lui le pognon. Donne-lui le pognon. Déchargez le camion. Voilà. T'es trop crispé. Peut-être, mais je la sens mal, cette histoire. Parano de fils de pute. Où tu vas? J'ai un besoin pressant, si ça vous dérange pas. Rive? Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te parle. Mais ça peut pas attendre, il y a un camion plein d'armes dehors. On ne peut pas les coincer, pas maintenant. On a analysé des fragments de la bombe qui a tué le secrétaire d'État. Ils correspondent à des échantillons qui ont été saisis chez les Patriotes il y a quelques années. Tu rigoles? Les mêmes types? Alors, mais là, ça change tout, n'est-ce pas? Je peux peut-être essayer de voir... Quoi? Oh non, surtout ne dis rien. Madame, elle veut que tu arrêtes. Non, je te préviens, je ne ferai pas ça. Ils auraient été capables d'assassiner un secrétaire d'État. Et aujourd'hui, tu as assez de preuves pour les faire tomber? Tu vois? T'en as pas. Ce qui veut dire que je dois y retourner. Non, le risque est trop grand. C'est ton interprétation. Ces types n'ont rien de poseur de bombe. Il n'y a aucune raison d'annuler cette opération parce que cette femme a une dent contre moi. Conneries. Ces raisons sont tout à fait légitimes. Tu sais ce qu'elle fait? Elle prêche pour sa paroisse. Écoute-moi, Robin, tu te mens à toi-même. Si elle exige que tu laisses tomber, c'est parce qu'elle voit ce que nous tous nous voyons. Nous? Parce que tu fais partie de son comité. Qu'est-ce que nous a décidé? Tu veux que je te dise, ça n'est plus qu'une question de temps, avant que tu finisses comme Matthew. En vérité, c'est ce que tu souhaites. C'est ce que tu veux, comme si ça pouvait arranger le fait que ton frère y soit resté, et pas toi. Écoute-moi, Robin. Ça fait 5 ans que je suis là à te regarder pousser de plus en plus loin le bouchon. Quand vas-tu t'arrêter? C'est les toilettes des femmes ici. Faudrait voir à activer, hein. On n'a pas encore fini. D'accord, j'arrive, une seconde. Pourquoi vous venez pas tout de suite? J'arrive. Dépêche, les gars. Elle prend le volant. Un NC4. D'accord. On s'en va? Ouais, on se casse tout de suite. C'était l'enterrement de Robert aujourd'hui. Oui, je sais. Cérémonie très brève. La famille uniquement. On a du nouveau dans l'affaire des Patriotes. L'agent O'Brien est encore sur le coup. Elle refuse de revenir? Non, je n'ai pas dit ça, seulement cette perspective ne l'enchante guère. Cette décision ne lui appartient pas, Ben. Puis-je vous parler franchement? Malgré le contentieux qu'il y a entre vous, ça ne devrait pas interférer. C'est le cas. Ça ne l'est pas et nous le savons. L'agent O'Brien ne croit pas que ce sont les Patriotes qui ont posé cette bombe. Ce sont des trafiquants et non des fanatiques familiers de ce genre de terrorisme. Donc si c'est l'un d'entre eux, elle pense qu'il agit pour son propre compte. Mais encore? Elle veut rester et finir le travail.
D'ailleurs, si c'était quelqu'un d'autre que l'agent O'Brien, vous lui feriez confiance. Elle y a droit. Bien. En effet, vous avez votre franc-parler. Vous m'avez engagé pour ça, si je me souviens bien. Madame, pas maintenant, je suis désolé. Mais il faut que vous sachiez que le directeur Long est allé voir le procureur général. Le FBI est chargé de l'affaire Patriot depuis aujourd'hui. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Non mais jusqu'où vous allez aller? Jusqu'à ce que vous et moi on termine la tête dans le sac? J'ai besoin de savoir qui a posé cette bombe. Je vous ai déjà dit que j'en savais strictement rien. Oui, mais c'est pas suffisant. Indiquez-moi dans quelle direction aller et après je vous jure que je vous demanderai plus rien. Ah non, arrêtez de jurer. Vous me l'avez déjà promis et résultat, vous m'en demandez toujours plus. Alors... Mais c'est vrai quoi, c'est de pire en pire. C'est un meurtre avec préméditation, une situation particulière. Je ne partirai pas avant de savoir qui c'est. Ouais, ben ça, je m'en serais douté. D'accord. J'ai quelque chose à vous montrer. Venez. Je sais pas hein, ce qu'il y a là-dedans. J'y suis jamais entré. Parce qu'il y a un cadenas. Faites-le sauter, Jack. Est-ce que Patrick est au courant? On sait rien. Il en parle jamais. Qui vient dans ce local? Smithy, c'est lui qui bricole là-dedans. Il connaît Patrick depuis des années. La plupart du temps, c'est lui qui fait la cuisine. Le cuisinier? Ouais. Quoi? Oh mon Dieu. Il a ciblé le directeur Hale. C'est elle qui l'essaie de tuer. Monsieur, je vous tiens au courant. Oui. Jarre! Si vous croyez pouvoir utiliser mes agents comme des pions et satisfaire vos ambitions politiques afin de... J'ai fait ce qui me semblait juste. Disons plutôt que vous faites le lèche-botte au Capitole. Je m'élève contre vos procédés. Ne vous attendez pas à ce que je baisse les bras. Acceptez plutôt l'aide que je vous offre et dites merci. Merci de quoi? On contrôle la situation. Ah oui? En ne faisant rien? Écoutez, Maggie, vous tergiversez en permanence sur ce qui est bien ou mal. Vous ne cessez de vous poser des questions sur le sens de la vie. Vous êtes hors sujet. Ici, on parle de pouvoir et de qui tire les ficelles. Et en ce moment, ce n'est pas vous, parce que cette opération est bancale et qu'un agent court de gros risques. Mais ne craignez rien. On va le sortir de là. Richard, Richard! Si vous prenez la ferme d'assaut, ça va tourner au carnage. Ils sont armés jusqu'aux dents. Nous aussi. Alors vous courez droit au bain de sang. Mon agent mourra, les gens de la ferme aussi. Et je ne parle pas de vos hommes qui vont y rester. Je ne suis pas d'accord. On a pour nous l'effet de surprise. Richard! Je ne veux plus que ces gens-là interviennent, c'est clair. Bien, monsieur. Tenez-les à l'écart. Quelle Robin est l'une des nôtres? Ben, l'agent O'Brien pense que le poseur de bombes a agi seul. Est-ce que c'est vrai? Oui, les services secrets le confirment. Nous avons analysé le profil des gens qui sont à l'intérieur. Très peu sont fichés pour violence. Où se trouve-t-elle? Elle est dans un bâtiment derrière la ferme. Je l'ai vue y entrer. Placez-vous à un endroit où elle pourra vous voir. Mais... Pas de discussion, j'ai dit tout de suite. Où allez-vous? Nous avons une voiture en visuel qui approche de la ferme. On est prêt? J'ai l'impression que Madame L est...
Préparez-vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous êtes sur le point d'être pris d'assaut par le FBI. Je crois qu'on devrait discuter. Vous avez fait l'objet d'une surveillance pour fabrication illégale d'armes. Nous avons un mandat. Alors tâchons de régler ça paisiblement. Paisiblement ? Vous appelez ça comme ça ? Des soldats pénètrent sur mes terres, avec leurs armes pointées sur mes amis ? Personne ne tirera tant que je serai ici. En tout cas, pas mes agents. Tu vas me dire de quoi elle parle ? De la cavalerie. Randy ? Nous sommes cernés. Merde, quelle poisse. Que toutes les unités se tiennent prêtes à faire feu. Je veux un tireur d'élite sur cette crête. Oui, pourquoi je dois porter tout ça? Parce que vous, on ne vous fouillera pas. On va retourner là-bas, on traînera un peu. Et ensuite, vous irez en ville. Vous donnerez ces pièces à conviction au premier agent que vous verrez. Et vous lui direz de les donner au directeur Hale. C'est réellement la dernière chose que je vous demande. Votre arme, donnez-la. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Donnez-la-moi. Tiens, prends ça. J'étais sûr que cette femme était de la TF. Où elle est, vous le savez ? Elle n'est plus par ici, tout est fini. Oh non, rien n'est fini. Patrick, vous ne voulez pas voir mourir tous ces gens ? C'est vous qui répondrez devant Dieu du sang qui coulera ici. Non, leur sort est entre vos mains, vous pouvez tout arrêter. On aille tous à l'abattoir en baissant nos armes, alors là c'est nous. Ces braves gens sont venus vers moi pour vivre dans la décence. Oh mon Dieu. En regardant autour d'eux, ils ont vu que ce pays n'était plus le leur. Où est Smithy ? Notre gouvernement, je vois, il est là. S'est transformé en force d'occupation. Quelle armée contre ses propres ressortissants. Le tireur d'élite est en place. Ne précipitez rien, donnez-lui le temps de parler à ses hommes. Si j'ai eu besoin de votre avis, je vous l'aurais demandé. Préparez-vous à tirer. Bien reçu. Ici, bravo, champ de vision dégagé. De quel droit osez-vous pénétrer ici ? Vous n'êtes que des brutes totalitaires. Vous défoncez nos portes. Vous tuez nos enfants. Vous piétinez le droit que Dieu nous a donné de vivre librement. Patrick. Ainsi que nos droits constitutionnels de porter des armes. Alors élevez-vous contre nous si telles sont vos convictions. Faites-le devant la cour, utilisez la Constitution pour prouver que nous avons tort. Mais ne leur donnez pas l'opportunité d'ouvrir le feu parce que personne n'y survivra. Ça, je peux vous l'assurer. Est-ce que vous avez prêché à ces femmes et à ces enfants qui ont grillé comme de vulgaires steaks à Waco ? Hein ? Vous aviez promis quoi à Vicky Weaver ? Qui a eu la tête explosée à Ruby Ridge ? C'est donc vous qui avez essayé de me tuer. Sachez que cet homme me destinait l'engin explosif qui a tué le secrétaire Allen. Vous n'êtes qu'une menteuse. Il n'y est pour rien. Tu as fait ça, Smithy ? Tu vas répondre, Smithy ? Prêt à tirer, monsieur. Laissez-moi vous prévenir. Ne vous attendez surtout pas à ce que je vous couvre dans cette histoire. Alors, rappelez vos hommes. On a une ligne de tir dégagée. Ouais, vous avez tout à fait raison. Il est plus que temps qu'on réagisse contre ce gouvernement qui nous persécute en permanence. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Patrick, on fait ce qu'on a décidé. Je veux la garantie qu'aucun membre de ce groupe ne sera blessé. Je vous le promets. Retournez là-bas. Allez dire à vos hommes que nous acceptons de rendre les armes. Je suis prêt à négocier.
se passe? Le coup de feu vient de la ferme. Oh! À terre! À terre! Baissez votre arme! Dehors! Dépêchez-vous! Restez à terre! À terre! Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Avancez! Avancez! Sortez! Impossible d'exécuter vos ordres, il a trop de monde dans son champ de vision. Ça va aller. Oh, je vous dois la vie. Oui, c'est ça. Baissez votre arme. Baissez votre arme. Si vous permettez, sénateur, je voudrais dire quelques mots. Je crois que nous n'avons pas d'objection à entendre ce que vous avez à dire. Merci. Il m'est clairement apparu que le monde dans lequel nous vivons avait changé. La violence est partout présente, telle que jamais nous ne l'aurions imaginée lorsque nous avons fait serment de défendre nos lois. La question est, que devons-nous faire face à une telle violence? Il y a 5 ans, à Waco, j'ai pris la décision d'utiliser la manière forte. Et ce faisant, j'ai commis une terrible, une irréparable erreur. En mon âme et conscience, je me suis demandé si les événements d'Oklahoma auraient eu lieu s'il n'y avait pas eu Waco. Toutes les nuits, je me réveille effrayée, voire épouvantée, à l'idée qu'il y a des gens dans ce pays qui pensent que l'ennemi, c'est nous, et que c'est contre nous qu'ils doivent s'armer pour protéger leur vie. Si le fait de combattre la violence par la violence ne mène qu'à une impasse, nous devons consacrer notre énergie à trouver d'autres moyens. 4 agents courageux et dévoués ont laissé leur vie à Waco. 22 furent blessés. Je ne peux les oublier. Je ne peux oublier ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont péri au printemps 1993. Je ne cultive pas leur mémoire comme un exercice morbide et douteux, mais comme le serment que je me suis juré de tenir et dont le défi consistera dans l'avenir à améliorer nos méthodes. Merci. Merci à vous. Madame Hale, Madame Hale, avez-vous leur changé? Eh bien, mesdames et messieurs, quelle surprise de vous voir tous ici. Je serais tout à fait ravie de répondre à vos questions. Je voudrais vous dire à quel point je suis fière de tous les agents qui travaillent dans ce département. La Maison-Blanche était-elle au courant de tout ceci? Madame Hale, un mot pour notre journal. Allez-vous proposer des réformes? À la lumière des événements que nous venons de vivre, je pense pouvoir vous annoncer un grand changement. Lequel? Premièrement, nous allons tenter de sensibiliser nos concitoyens sur le problème de la détention d'armes. Croyez-vous que des mesures seront prises?